Je vais maintenant faire le fond de l'État. Amen. Regardez que tous ces dieux, tous ces Jésus, et tous ces mères, et ce Dieu qui se réclame être le père ou la mère de Jésus, comme Madame Banamé de Pénin, tous sont dans le christianisme et dans l'islam. Tous ces prophètes à onction, tous ces prophètes à message nouveau, tous ces Christes sont dans une même demeure, le christianisme. Amen. Yes. Alors, où doit être le vainqueur en cette génération? Où doit être le Christ à sa seconde venue? C'est simple à comprendre l'équation. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui attendent d'aller en enfer eux-mêmes. C'est simple à savoir et à comprendre. C'est reconnaître d'abord quel genre de promesse s'accomplit à votre temps. Est-ce que la promesse de ce temps dit que le Christ va sortir de la religion? Est-ce que la promesse de ce temps dit que Dieu est dans une religion? Est-ce que la promesse de ce temps dit que le prophète de Dieu, le haut de Dieu, doit être dans une religion? Nous allons maintenant consulter les écritures. On peut le Seigneur. Maintenant, la promesse ça, à laquelle tous les fils de Dieu avaient les yeux fixés dessus, c'est Matthieu 27, verset 6. Il est dit ceci, à partir du premier verset, le royaume des cieux sera fait semblable à des vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Mais que tu dis qu'au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. L'écriture est claire, l'épouse, tous se sont assoupis et endormis. Alors, si tous se sont assoupis et endormis, nous comprenons tout de suite que le cri n'est pas sorti du milieu des vierges. Or, les vierges sont dans les religions. Amen. Les vierges se trouvent dans le christianisme. Amen. Et le cri doit venir de nulle part. Amen. Voilà pourquoi Branham a dit en son temps qu'après lui, se lèvera un cri. Amen. Un cri. Amen. Celui qui doit crier. Parce que c'est ce que la prophétie dit. Amen. Que le vierge était assoupi et a dormi. Amen. Et un cri est venu de nulle part. Ouh. Et ce cri ne peut être qu'un cri. Ouh. Un cri de religion. Amen. Amen.